Bienvenue dans 59 Inside, 59 parce qu'on va parler du Nord, 59 parce qu'on va parler de ZKR. ZKR qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Caméléon et que tout le monde s'arrache dans la rue et même dans la montagne. C'est Clean, je suis Driver et je suis là pour animer le tout. Et bien sûr, ZKR est avec nous. Comment vas-tu ? Ça va, Idol Driver ? Ça va ? En forme, en forme, en forme, en forme. Ça va, ça va. Bon. Content aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a une table incroyable. Incroyable. On est d'accord. Ouais. Bon, on a que des mecs super chauds, voire des légendes. On a Nesbill qui est avec nous aujourd'hui. Bien toi. Vraiment cool de t'avoir. Tu viens de sortir un album, c'est tout frais. Voilà, on va en parler un petit peu quand ouais, même. Ouais, ouais. Voilà, c'est le retour. Il est magnifique, je le dis. Voilà. On a... Aïe, 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 DJ Belek. Un homme très important, sinon il n'y aurait peut-être pas cette table ici. Voilà, non. Je le dis. On a une légende, on a un gars que j'adore depuis longtemps, que j'écoute depuis longtemps, c'est L.I.M. Comment vas-tu ? Bien, mon frère. Tout va bien, merci. Oh, super, content de te recevoir. Content d'être là, mon poteau. Merci à toi. Cool. Merci à tout le monde. Et on a le grand D.A. Uzi, super chaud. Applaudissements pour le monsieur. Avec un projet fraîchement sorti aussi, dont on va parler aussi. Exactement. On est là. Donc, les gars sont super actifs ici. L.I.M., on va parler aussi de ton actualité. Voilà, Belek, c'est déjà un super show. Mais bon, on va commencer par monsieur ZKR. ZKR, déjà, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ces gens-là autour de toi ? Parce que je sais qu'il y a des gens avec qui tu as collaboré, mais aussi, c'est d'abord des gens que tu écoutais. Ouais, bah oui, bien sûr. Bien sûr, ça veut dire que... Non, c'est... Ça touche, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ils ont fait le déplacement. Ils sont venus, tu vois, pour participer à ça. Et franchement, ça fait plaisir. Ça, je sais pas forcément les mots, je sais pas quoi dire, mais ça tue, ça tue. En tout cas, je leur ai dit, ils savent que ça tue qu'ils viennent honorer leur présence. Ça montre du respect et ça fait plaisir. Voilà, te dire aussi que les gens que t'écoutais te valident. Ouais, ouais. C'est beau. Ouais, c'est... Je sais pas quoi te dire, ça tue, frère. Voilà. C'est cool. Voilà, ça tue. Nesbill, t'as collaboré récemment avec le monsieur. Tu peux nous dire un peu comment s'est fait votre morceau, le DEM ? Naturellement. Hein ? On est dans le même club. Voilà. On est souvent ensemble en studio. Deux attaquants. Ouais. Et bah, il passe souvent. Des fois, je passe, il est là, il fait ses sessions. Moi, des fois, il passe, je suis dans mes sessions. Mm-hmm. Il est passé, on bossait sur la prod à Belek. Il a écouté, il a dit, ouais, et naturellement, il est venu, il a posé. Ok, donc ça veut dire, en vérité, il a entendu un morceau, il s'est dit, celui-là, c'est pour moi. Ouais, normal, comme ça. Tu l'as pas dit, bon, faut qu'on fasse un morceau, il l'a senti. Ouais, 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 après, les choses, elles se font naturellement, tu sais, il n'y a pas eu de calcul, ça s'est fait, on a mis du temps, mais le temps après à faire que les choses, tu te rapproches, t'es là, tu te dis, hop, après on est parti sur le morceau. Comment il est en studio ? Ah, c'est un bosseur. Okay. Ah, je vais te dire la vérité, il bosse vraiment. Il est du genre à pas être content, recommencer tout le temps, ou alors il a le truc, il trouve le truc direct et ça. Non, lui, quand il vient, c'est direct. Ok. Franchement, même moi, il m'impressionne. je vois, il vient, tac, tac, il y a le morceau, c'est carré dans les couplets, les refrains, tout, tac, ça va vite. Des fois, il fait des deux morceaux par jour, je suis là, moi, je suis impressionné. C'est genre de machine. Non, c'est un bosseur, vraiment. Belek. Ah, t'as une place un peu plus... Toi, t'es plus sur le banc. Ouais, moi, je suis hein, ce genre d'entraîneur, le coach. Ouais, mais t'es pas sur le terrain, mais c'est toi, acteur principal, en vrai. Ah, sélectionnaire, c'est le coach, c'est tout, c'est important. Vrai ou pas, Nabil, c'est vrai. Non, c'est eux, les... Sans eux, y a rien. Ouais. C'est beau, il est humble. Non, mais c'est vrai, sans eux, y a rien. Et sans toi non plus. Ouais, c'est comme je dis tout le temps, c'est un échange. Exactement. Moi, je veux savoir, toi, dans quel état d'esprit t'es quand vous commencez à bosser sur Caméléon, sachant que le premier album a cartonné, que le deuxième album, souvent, c'est où ça passe, où ça casse, ouais. Où tu restes, où on te revoit plus. Comment t'es, toi ? Détendu. Détendu et j'ai aucun doute sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que ZK, c'est un mec qui s'arrête pas, qui fait pas de pause. Ok. Ce qui fait que en fait, bah, sans faire exprès, il y a une colonne vertébrale qui a été faite au moment même où on sortait l'album. Ok. Tu vois. Après, on a été, tu vois.
On a sélectionné avec le temps, vraiment, okay. les gros morceaux, tu vois, de ce qui ressortait. Mais la réalité, c'est que c'est un mec qui s'arrête pas et il est en pleine... il est en constante progrès, il progresse tout le temps. Ouais. Tu vois, il a tout le temps... il est en train d'avoir... ce que je dis souvent, tu vois, il est en train d'avoir possession de tout son pouvoir, tu vois. Ouais. Donc voilà, l'album, quand on l'a commencé, on a juste fait de la musique. Ok, pas de cahier des charges, tout ça. S'il y avait eu un cahier des charges, on aurait fait un album avec des feats déjà. Ouais. Tu vois, si on devait jouer la carte, tu vois. C'est, aujourd'hui, il a le talent et les gens l'apprécient énormément sur des titres en solo. Ouais. Tu vois, il fait des disques d'or avec des freestyles. La preuve, on est sur la table. C'est un pari. Uh-huh. Voilà, une fois qu'il m'est venu à l'idée, j'étais chaud. J'étais chaud et en plus dans le timing ça nous arrangeait justement pas. Voilà, pour être honnête, ça veut dire que t'as vu, je dis vas-y pourquoi pas. Et même j'étais satisfait grave du truc, ça veut dire que en écoutant tout, je me disais vas-y, faut les porter un peu. Mais on va les porter sur le deuxième album, on va voir. Et même c'est mieux, ça te valide directement ou pas. Ouais. Et comme je t'ai dit, je suis dans le réel, j'aime pas me mentir à moi-même, tout ça, ça veut dire que vas-y, je voulais voir, on s'est regardé et vas-y, on a tenté. Hein. Tant mieux après, ça a fonctionné. Ouais. Et tant mieux. Ça se passe bien, le résultat. Ça se passe bien. Très bien. On va pas se plaindre. Et c'est pas fini. T'inquiète. Il y a des surprises. J'imagine. Je vous suis, je vous surveille. L.I.M. Ouais, mon poteau. C'est quoi, toi, la relation avec la musique de ZKR que t'as? C'est la rue, mon poteau. Tout simplement. Tout simplement, mon frère. Dis-nous c'est tout. C'est des trucs bien, tu vois. C'est du rap où on se reconnaît dedans, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose de positif. Toi, tu découvres sa musique comment? Comment tu tombes dessus? Moi, sur Internet, les gens qui écoutent, tu vois. Mm-hmm. Dans les coins où je bouge, des potos à moi qui écoutent, qui me parlent du nouveau. On regarde, tu vois. Ok. Mais c'est très bien, c'est très très bien, mon poteau. C'est cool, très bien. C'est très bien. Il faut continuer, tu vois, c'est cette lignée de rap français. Tu captes ou pas? Ouais. Parce que déjà, il ne faut pas oublier le rap, c'est une manière de nous qu'on s'exprime, t'as capté ou pas? C'est une manière, je vais pas te l'apprendre, toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bien de prôner, de continuer à faire ce type de rap. On va dire, un peu, c'est la réalité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là, je sais pas moi, à faire un clip en Ferrari et rentrer en bus après. tu comprends ce que je veux dire? L'image est belle. On est vraiment, voilà, on est dans... Le vrai. Ce qu'on aime. Ouais. Le har, tu vois. Ouais. Voilà quoi. Très bien. Dahuzi, toi, c'est quoi la relation avec la musique des ZKR que t'as? Comment tu la découvres? Comment vous connectez? Comment je la découvre? Je la découvre comme Eliab vient de dire, tu vois. En mode, on me fait écouter. Et comme par hasard, dans la semaine où on me fait écouter, je reçois un message, t'as capté ou pas? Voilà, et je lui ai dit en plus, la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit « Ah ouais, comme par hasard, tu me dis ça, bon, on m'a fait écouter il n'y a pas longtemps, un des freestyles qui venait de sortir. Uh-huh. » Après, tu connais, hein, c'est la cahier. Quand tu dis, tu reçois un message de qui? De ZK. Ouais. Ah ouais, la semaine où tu découvres ZK, il t'envoie un message. J'ai contacté direct pour un feat, parce que moi, c'était... j'écoutais Tilly Seni un peu, tu vois, ses débuts et tout, tu vois. Okay. Au quartier, pareil, ça m'a fait écouter ses premiers freestyles. Ok. Tu vois. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc de malade en vrai. Ouais. Dans l'écriture, même son énergie, t'es fou, l'idée, frère, tu vois qu'il est original directement quand à la première écoute. Sincère. À la première écoute, tu vois. Et ça veut dire que voilà, frère, je sais pas, je sentais que c'était un vrai. Je sais pas comment t'expliquer, mon frère. T'as vu, ça veut dire que je me suis dit, lui, à mon avis, je vais faire la démarche, frère. T'as vu, il y a beaucoup de chances que ça se fasse. T'as capté ou pas? Ok. Et comme Gary t'a dit, ça a fait écouter dans la semaine. Lui, il a kiffé et a répondu présent directement. Et c'est le premier, moi, qui a. Premier feat qu'on a fait. Hein, c'est ça. Ça veut dire que c'est logique pour moi qu'il soit là, t'as vu, c'est normal. T'as vu, après, tu connais, on est dans nos chemins. Des fois, on n'a pas trop l'opportunité de se croiser. Ouais. Mais dès que je peux répondre présent et vice-versa, tu vois, c'est ça qui est bien, la relation que j'ai avec lui, tu vois. Et voilà, il sait de toute façon, ça ne bouge pas. Vrai de vrai, comme il dit, de toute façon. C'est beau, j'aime ça. Il est venu direct au studio, il était malade même. Très bien. Là, c'est vrai, j'étais malade. Il était malade. Il est venu quand même. Après, il y en a dit, je suis malade et t'as gâté. Il y en a, ils sont pas malades du tout. Non, mais après, ça dépend. Il est malade, tu vois. C'était la voix, je crois. Il y avait un problème dans la voix, il pouvait pas poser, tu vois. Okay. Il a écrit en balle.
Ok. Il a écrit en bas, il y a du ben mon ref, voilà, j'ai fini, mais tu connais, je peux pas poser. Mm-hmm. Et j'ai revenu poser comme un homme. Dans le sud, ça pue la rue, dans toutes les têtes, c'est validé. On est grave serein, faut grave terrain pour tester. C'est que tu peux, ah, pourquoi tu jeûras, ça te trait. Pourquoi tu jeûras, ça te trait. Tu sais déjà qu'on l'a et on paye les affaires. De Sevres à Roubaix, les mlais. Ils sont tous battus, ils regardent toutes mes affaires. Moi je pense à ma mère, tout ça faut qu'elle finisserait. Vrai respect, voilà. Mais t'as montré qu'il était vraiment ok pour faire le match. J'ai réussi, parce que j'aimais bien. Voilà. Voilà, j'aime bien. Tu connais, comme il a dit. Et il a pas on fait se ressent, non ouais. Ah, quand on se ressent, tu connais. C'est bon. Et il a pas fait qu'avec moi aussi. Faut préciser, tu vois, que c'est lui, c'est naturel et que... Et que c'est vrai, en plus. C'est comme ça, tu vois, chez lui. Okay. Parce qu'il a pas fait qu'avec moi. Tu vois, souvent, il fait des feats avec des gens moins connus. Et il y a pas ce problème-là. Il fait naturellement, c'est tu devenu vois. Rare, ça, hein. Et ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut le souligner, bien. Tu vois. Ok. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le morceau, le Dem. Et j'aimerais qu'on l'écoute. C'est le Kosovo dans le lyrics. Souvent Reka 04, France, ça va danser la polka sur la Jim Hendrix. Y'avait déjà la drill, fusillade sur les Canaries. Défonce au fentanyl, marginal glory. C'est nous les gorilles. Un champ finesse, ma catégorie. J'suis catégorique. L'index sur la détente, nique la BRI. Langage du brolique, la guerre c'est réel. Pas comme dans les stories, on n'est pas pareil. J'suis un Sahraoui avec la mentale d'un Rifi. J'fume la weed, j'm'envole comme les aigles en Albanie. J'fais ce que j'sais faire, sans remords de tout, ils nous ont bannis. Misérable compagnie, moi et mes comparses dans les tranchées, personne panique. Chez nous la tragédie est pandémique. Poison se répand comme la rumeur, sans éteint la polémique. L'amitié des mathématiques, ça devient problématique. T'as qu'un pente, l'amour et la haine, les femmes c'est des serpents. Va te manger ton cœur si t'es romantique, Réo. C'est lui qui me tue, chaque fois que j'crois tu es le temps. L'index sur la détente, c'est froid quand tu le poses sur la tempe. Non, j'ai pas la main. C'est ZKR et Nesbill qui sont présents ici. J'aimerais qu'on parle de l'album de Nesbill qui vient de sortir, qui s'appelle Zonard des étoiles. J'ai un coffret ici, là, avec plein de belles choses. Oh, il y a un CD, déjà un CD sur Old School. Déjà, et, ouais. Et à la cassette. C'est la préhistoire. La préhistoire du rap. Incroyable. Mais c'est pour l'objet, en vrai. Ah ouais. On l'a fait pour l'objet, tu vois, c'est la symbolique. Je suis capable de racheter un lecteur cassette. Il y a un poste, là, je sais pas si ça marche. Ouais. Là, c'est beau. Et un briquet, hein, pour ceux qui savent. T-shirt. Sûrement pas à ma taille, mais bon, c'est de ma faute. Parlons un peu de cet album. Donc, du coup, tu reviens, ça veut dire que l'envie est revenue. L'envie, elle a toujours été là, sauf que l'envie, des fois, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas les faire. C'était compliqué. Comment tu te remets en selle, du coup? Ah, c'est compliqué, la remise en selle. Parce que la remise en selle, elle arrive avec l'émergence de plein de nouveaux... Un nouveau son, un nouveau... Des courants, des nouveaux trucs. Mecs qui arrivent, tout est neuf. Ouais. Tout est, je dis, tout est, tout a changé. Nesbill, mon poteau. Hein. Nesbill, ça reste Nesbill, et c'est vrai. Et Nesbill, surtout, t'as vu, moi, c'est mon refrain depuis l'époque. Uh-huh. Vraiment, on a toujours eu un contact. Et tout au long de ces années, Nesbill était plus calé sur la musique américaine que 90% des jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Mm-hmm. Et je te parle de la nouvelle génération, tu vois. C'est quelqu'un qui écoute du son H24. Mm-hmm. Moi, j'ai plein d'artistes en tête, d'Américains qui sont devenus super connus, qu'ils me parlaient d'eux avant qu'ils signent dans des labels et tout, vraiment, tu vois. Okay. Ce qui fait que, indirectement, t'as vu, y a toujours un lien. Okay. Quand t'es bousillé par la musique, t'es bousillé par la musique. T'as vu, on n'arrête jamais réellement, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, moi je pense que l'album là, il vient au bon moment et que ouais. Et qu'on est content du résultat. T'es à la réalisation de cet album? Ouais. Moi je l'ai écouté et le truc qui m'a choqué quand je l'ai écouté, c'est que c'est un album qui fait le pont entre, j'ai pas envie de dire le son à l'ancienne, parce que ça veut rien dire. Il y a plusieurs courants aussi à l'ancienne, mais qui peut plaire à une ancienne génération et à une nouvelle génération. Comment vous avez fait ça? Déjà en termes de beatmaking, c'est, moi c'est étrange, je pourrais pas te dire quel style c'est, mais je sais que tout le monde c'est peut l'écouter. Nesbill.
C'est du Nesbill avec les courants actuels, parce que justement, comme il écoute tout ce qui sort au State et même en France, les jeunes rappeurs et tout, tu vois, il va te dire, attends, j'ai écouté ça, ça peut être bien, et sans faire exprès, on est en train de faire la direction artistique de l'album. Ok. Et ça donne une couleur comme ça. Tu vois, c'est le en fait, le point de base, c'est la curiosité. Tu vois, okay. T'es curieux, t'écoutes du son, tu t'actualises sans faire exprès, ton subconscient, il retient des mélos, il retient des trucs, des flows, tu vois, t'as des envies de titre et tout. Et cet album-là, c'est pour ça qu'il est actuel, c'est parce que c'est le résultat de ses envies déjà. Mm-hmm. Tu vois, sur 80% des morceaux, on a suivi ses envies. Tu vois, et voilà. Très bien. En tout cas, réussite. Zonard des Étoiles, il y a une tournée qui a été annoncée. Ouais. Donc ça y est, t'es chaud là pour partir sur le terrain. Ah, j'ai hâte. Défendre l'album, non, tout. J'ai hâte, vraiment. Ça fait longtemps que t'es pas monté sur scène. Ouais, et surtout, ça mérite d'aller. J'ai envie d'aller rencontrer les gens qui ont apprécié la musique. Uh-huh. Ah, cool. Et puis la musique de cet album, et même celle des albums précédents, en vrai, parce qu'il y a plein de titres de classiques qu'il a à défendre sur scène, que je pense bien que sûr. Sa vraie fanbase, ça va être. Tu vois. Ah, il y a plein de gens qui vont découvrir pour la première fois ces morceaux-là. Ouais. Très bien. Et dernière chose te concernant, c'est ce truc de roi sans couronne. Est-ce que t'aimes bien qu'on te dise ça ou ça peut t'énerver? Parce que, je sais pas, moi, je trouve que c'est un truc un peu entre les deux. Non, c'est moi, bien, mais c'est... Donnez-lui la couronne, alors. Non, mais moi, je l'ai pas cherché, ça. Ouais. En vrai, à la base, c'est un morceau, on fait un morceau... Ouais. Peut-être que les gens, c'est avec ma carrière, les situations, ils ont fait ça. Mais sinon, moi, dans ma tête, je ne me suis pas dit je vais faire un mouvement de roi sans couronne. Non, je préfère que les mecs, ils ont des couronnes. Toi qui... en vrai, c'est dans les victoires que tu... La vérité, mon frérot, leur couronne, ils peuvent se la mettre dans le cul. Ils peuvent aller zigzaguer avec, danser, faire ce qu'ils veulent, mon poteau. Le roi, on n'a pas besoin de couronne, mon poteau. Bravo sur tout ce que tu as fait, mon frère. Même là, c'est de la frappe. Là, tu reviens, Nesbill, toujours là. Non, mais dans le sens, quand je dis couronne, c'est... T'as vu, les mecs qui arrivent derrière nous, c'est bien qu'il y a des résultats dans ce qu'ils font. Ouais. Nous, à l'époque, on faisait des choses, il n'y avait pas de résultats. C'est dans ce sens-là, couronne, tu vois. Je préfère voir ZKR, il se développe dans des succès, Tu sais, ça te permet de continuer ton œuvre. Ouais. Tu vois, ça te permet, par exemple, s'il y a des échecs, tu sais, tu ne te développes pas comme tu te développes avec des succès. Ça peut te ralentir, ça peut te démotiver. Peut te démotiver. C'est dur de se développer dans l'échec. Je vois ce que ceux qui disent, ça fait bien. Aussi. Ceux qui disent, c'est bien de perdre pour apprendre, moi, je vais te dire, c'est pas vrai. Tu vois, tu t'apprends aussi dans le gagnant. C'est mieux d'apprendre en gagnant. Ah, c'est dans ce sens-là, la couronne, tu vois. C'est pas, non, frère, on n'a pas fait de mouvement roi sans couronne. T'as vu, gros, s'il y en a, ils se sont sentis comme ça, dans ça. Je vois. L.I.M., ton actualité. Je sais que tous les dimanches, t'envoies un freestyle, déjà. Vraiment, tous les dimanches, sur ma chaîne YouTube, j'envoie un freestyle. Ouais. Un clip clippé par un frérot, Mehdi, de Meruem. Mm-hmm. J'enregistre à Toulon, à Meruem Productions. Okay. Ça tourne, on est là, frérot. Okay. Il y a quoi? J'ai lancé aussi une marque de CBD, galacticacbd.com. Il y a plusieurs boutiques. Voilà. Voilà. Et j'ai un EP qui arrive, qui s'appelle Brutal, qui arrive le 6 mai. Mm-hmm. Et voilà, frère. Très bien. Ça charbonne, ça charbonne. On est là dans son petit coin, tranquille, poteau. Comme un vieux. Légendaire, il y a que des légendes. C'est ça, Il venait les séances, tout, il réglait, tac, à la fin, il faisait ses trucs de séance, il réglait tout bien, tu vois. Tu vois, un vrai... Un entrepreneur. Vois, exactement. C'est un entrepreneur qui a une boutique CBD. Le business dans la rue, mon frère. Voilà, il a mis ça en légal, c'est bien. Exactement. Ah, c'est quelque chose de positif, tu vois. Voilà. Et même ce qui arrive, les courants, les artistes comme Dauzi, ZKR, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mm-hmm. Ça donne...
ça donne un peu de fraîcheur, on va dire. C'est clair, c'est clair. Tu vois ? D'ailleurs, Uzi, justement. C'est positif. T'as un projet qui vient de sortir. Parle-nous du projet. Le chemin des braves. Voilà. 1er avril. Tu connais, d'habitude. Il y a quoi dedans, du tout ? Bah, dedans, tu connais, là, c'est un album un peu. C'est 4e CD, un peu, t'as capté ou pas ? Ouais. Ça veut dire, là, ça parle un peu plus de. De ma façon de voir la vie, de moi-même, de mes, de mes choses. T'as capté, là, je parle de moi, je parle de mon daron, je parle de mes sœurs. Ok. C'est plus personnel. Plus, ouais, introspectif, tout ça. Ouais, un peu. Voilà. Très bien, tu vas défendre ça sur scène aussi ? Ouais, j'aimerais bien, tu connais. Ah, on te voit sur scène, complètement fou, tout ça, on aime ça. Non, j'ai de l'énergie à revendre. C'est ça. Tu connais, on partage, on vit fait. Les gens ont besoin de capter cette énergie aussi. Ouais. Là, c'est bon, très bien. Belek, bon, là, tu viens de sortir 2 albums de coup sur coup sur Morning Glory. Hier, je traînais comme ça dans les couloirs, j'entendais que... Et Nesbill, il demandait déjà des nouveaux sons. Ouais. Donc l'album vient de sortir directement, au boulot direct. Mais en vrai, tous là, sur cette table-là, quand tu finis un projet, ça y est, c'est fini. Tu passes, tu regardes devant. Directement. Là, tous là, dans cette table-là. Moi, souvent, je fais un son le lendemain que le projet est sorti. Je sais pas, c'est bizarre. Je l'ai fait au premier, je l'ai fait au deuxième. Je fais un son de bâtard, vraiment. Je sais pas comment ça se fait. J'avoue, on en a fait un là qui est. Je sais pas comment ça se fait. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a raison, Nabil, c'est. Ça y est, t'as lâché le truc. Ouais. Et toi, tu veux vraiment tourner la page, t'as capté. Okay. Enfin, tu vas le défendre, tout ça. Ouais, mais dans le sens de ce que t'as sorti, tu vois. Tu veux tourner la page, et je crois que ouais. Hein. Et pareil pour. Quand Nabil, tu sors du studio. Au... Ouais. Quand tu sors du studio, en fait, t'as fini ton album. Et bah, il t'appartient plus. T'appartiens qu'au moment où tu sais quand tu crées, quand on crée, quand on est là, on est au studio, t'as le contrôle du truc, tu vois. À partir du moment où ça part en, avec tes partenaires, les maisons de disques, tout ça, ça y est, il est plus à toi. C'est plus. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un autre truc à toi. Tu crées, tu vois. Non, mais c'est, je te dis, moi, c'est mon ressenti. Je sais qu'on est tous pareils. C'est dur d'écouter un projet quand il sort, tu vois. Ouais. Je te jure. Tu l'as fait, vous l'avez réécouté, les mix, tous en studio, c'est bon. Tu l'as poncé dans tous les sens. Problème au mastering à la dernière minute, problème au mix, il manque ça. Des pistes pas bonnes, des trucs. T'envoies le son, toi t'aimes pas. Après t'envoies aux artistes, les artistes, ouais mais non, je préfère la mise à plat. C'est-à-dire que tu repars dans un truc, allez bam, 24 heures. Quand l'album il sort, je te dis la vérité, il y a des projets qui sont sortis en 2015, je vais les redécouvrir maintenant, en vrai, en tant que spectateur. Et je vais carrément oublier. Parce que tu les as pas écoutés depuis. Ouais, tu vois. Donc, je comprends qu'ils aient besoin de retourner en studio direct pour... T'as des anecdotes sur la conception de leurs 2 albums ? Des anecdotes ? Un truc. J'ai que ça. Spécial. Spécial ? Ouais. Elles sont mortes derrière, déjà. Franchement, parce que on sait en fait, qu'on ce qui est spécial, c'est leur manière de bosser. L'anecdote, c'est leur manière de bosser d'une manière générale. Tu vois, ils ont chacun un rythme. ZK, il va venir, et des fois, on dirait l'instru, elle l'a insulté. Le cul rappé. Ils vont découdre. Personne, il est dans son téléphone. Voilà. Cas, tu vois. Et Ness c'est la force tranquille. Tu vois, il va venir en te faisant croire, ouais, je sais pas, j'ai essayé un truc. Tu vois, je sais pas si c'est bon, frère. Et en vrai, dès qu'il le pose, toi, t'es comme moi. Tu dis, ah. Tu vois. Et voilà, tu vois, les anecdotes, c'est que ces 2 artistes de ouf et les artistes sont fous. Voilà. Ce qui paraît. Vous deux, vous avez des anecdotes, un moment spécial pendant la conception de l'album ? Bah, en fait, au fond, on en a plein, mais. C'est ça, le truc. Comme ça. Il n'y en a pas une qui sort comme ça. Oh ouais, il y a plein de trucs. Il y a quoi? Je sais pas te dire, Driver. Je fumais de la californienne, là. Ça fait, cerveau, tu veux aller chercher, là. Je suis à Los Angeles, Californie, là. Il y a pas de souci, on va pas forcer. Voilà, en tout cas, on a pris du plaisir à le faire. On a rigolé, on a eu des fous rires. Dinguerie, franchement. T'as vu, après... C'est ça qui est bien. Qu'on s'entend bien, que ça soit dans l'humain ou le travail. Donc très ça facilite les choses. Tu comprends? C'est ça aussi, tu fais de la bonne musique. Hein. Tu vas l'entendre et tout. Ah, je vois les. De toute façon, toi, Belek,
Et toi, ZKR, je vois comment vous êtes. J'imagine les séances, ça doit être n'importe quoi. Ah, Les Bill, je sais pas. Quoi? Mais... voilà, j'attendais que quelqu'un dise. Non, Ness, il est Ness aussi. Ness aussi, là, ça part de responsabilité. Fou Ness, il tue Ness. Il tire, il tire. Ness, il va te sortir une punchline dans la journée. Tu vas rigoler pendant 7 heures. Parce que c'est quelque chose de vrai, de limpide. Tu vois? Mais en vrai, c'est efficace. Tu vois? Très bien. J'aimerais qu'on écoute le morceau de Ness Bill avec PLK. Je souris comme si tout allait bien, je suis en train de mourir, toujours triste à la fin. Scénario du pire, à la base on voulait faire du bien, mais on a fait souffrir la réalité. Y'a qu'en jet privé que tu peux la fuir. Rio c'est rien, je suis un nuage qui passe, me sens seul dans la seule, entouré de double face. Une vie entière dans l'impasse, rien ne l'efface. Personne verra ta douleur, je suis assis au fond de la classe. J'ai besoin de la khadra pour trouver le sommeil. Ils ont besoin de la beda pour rester en éveil. Les couteaux s'aiguisent, Rio mon dos, j'ai besoin que tu le surveilles. Dunia m'épuise, les cactus, ça meurt sans le soleil, tu vois. Pourquoi il sort la tête de l'eau, faut qu'il se noie. J'ai perdu la vue au Hebs, la thèse punia. Cheta nous fait West West, nous fait danser le Mia. La trahison vient des tiens, j'suis solo dans le Sahara. Un peu trop foncé, je fais que penser. J'ai senti la patate, senti le danger. Devant mon miroir, j'vois un étranger. Même quand tout va mal, je reste accroché. C'est juste un nuage qui passe. J'ai senti la patate, senti le danger. Devant mon miroir, j'vois un étranger. Quand tout va mal, je reste accroché. C'est juste un nuage qui passe. Je sais pas où je vais, mais je vais tout droit. Je suis déconnecté, je marche dans un trou noir. J'ai rien à prouver, mais je le fais pour voir. Sur le boulevard, tout le monde veut le pouvoir. C'était Nuage qui passe de Ness Bill et PLK, tiré de l'album Zoneur des Étoiles. Tu peux nous parler un peu du clip? Comment c'est fait, l'idée? Bah, on a essayé de retranscrire la chanson. Dans plein de situations de vie, c'est ça l'idée du morceau. Au final, les nuages difficiles, ils passent. Ouais. Tu vois, ça dure jamais, galère. Ils sont censés avoir le beau temps après. Et on a fait un petit clip bien français. Ok. On a essayé de faire ça. Derrière un nuage qui passe. Ouais, c'est pas le même nuage. Mais ok, très bien. J'aimerais, toi, Dahuzi, qu'est-ce que tu peux souhaiter à ZKR? Que de la réussite, mon frère. Que de la Russie, du plata, tu connais. Voilà. Ces trucs-là, tu connais, envie de faire. C'est important. Voilà, la santé, la famille. Ouais, ça part en tout favori, là. On peut souhaiter tout plein de trucs, hein. Ouais. On peut y rester toute la noche, ma gueule. Ah, voilà, avec les pauvres, là. Tu connais. Non, que des bonnes choses. Qu'est-ce que tu souhaites au frère? Longue vie. Inch'Allah. Longue vie et qui continue comme ça. Alhamdoulilah. Encore merci d'être venu, voilà. On est là, mon frère, alhamdoulilah. C'est à cause de ce con, là, à côté. Ça, c'est les grands. T'es obligé, frère. On est là, on soutient, on soutient. Lui, Nabil, vraiment, c'est un honneur. Belek, qu'est-ce que tu souhaites à ton artiste, hein? Tout. Que du positif. Voilà. Voilà, d'une manière générale, il sait ce que je lui souhaite. Mm-hmm. Au quotidien, on est ensemble. Et voilà, de continuer à s'épanouir, de, tu vois, très bien. Bien vivre le truc et de profiter. Très bien. Ness Bill, qu'est-ce que tu souhaites au frère? Il sait très bien, frère. Ouais. Une longue carrière. Tu me conseilles un peu sur des trucs, hein, par rapport à toi? C'est un grand, il sait ce qu'il a à faire, tu vois. Voilà. Des fois, je lui demande, je lui dis, hey, tu crois que... Tac. Parce qu'en fait, j'ai vu que lui, naturellement, des fois, il me demandait. Je dis, c'est un fou, il me demande à moi. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, il me demande un mot? Mais c'est en fait parce que peut-être lui, il se dit que c'est un jeune et peut-être avec son œil. Tout le monde a à apprendre de l'un et de l'autre. C'est un travail d'équipe. Il va me dire ça. Je lui dis, tu crois que si, ils sont là, je peux raconter de quelle vision? Ouais, mais mon ref, toi, tu vas le raconter comme ça. Je pense que tu devrais pas trop insister sur ça parce que si, ça. Tu vois, ça tue. En fait, c'est même pas des fois des. C'est plus des débats, des discussions. Ouais. Tu vois? Et ça tue, ça, quand. Tu vois vraiment ce que l'autre il pense, qu'il y a dans sa tête, sa vision. Et c'est la vie, c'est un échange, de toute façon, dans tout. On est d'accord. Et c'est comme ça que t'apprends. Exactement. Et c'est comme ça que t'apprends, tu vois. Après tout ça, ça se retrouve dans la musique aussi. Ouais, exactement. Entre des blagues, entre des trucs, ça tue, ça tue. Au fond, on calcule même pas parce que c'est naturel. Ouais. Mais vrai, inconsciemment, moi, je sais que mon cerveau, c'est une éponge. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois. C'est-à-dire qu'inconsciemment, t'enregistres sans t'en rendre compte en vrai. Tu vois ce que je veux dire? On va parler de certaines choses, tu calcules pas, et peut-être dans un texte, la phrase, elle va venir. Ça se retrouve dedans. Et le mec, après, tu vas le voir, il va dire, ouais, je suis gros bâtard, on avait parlé ça dans une discussion et tout. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai, toi, tu te ramènes même plus. Ah ouais, ça, mais c'est lui tout seul. Toi, t'as le recul sur ça, tu vois quand
De quoi? Quand il crée des trucs qui viennent d'une discussion ou je sais pas quoi, vu que t'es en retrait, tu captes le truc. Oh, il y a beaucoup ça. Oh, de ouf. Ah ouais. On échange beaucoup, tu vois. Ouais. On a beaucoup d'anecdotes. Des punchlines, on se rend. À la base, on se rend pas compte. Et maintenant que ça commence à peut-être devenir un métier, tout ça, ça veut dire qu'en vrai, quand tu dis une dinguerie et que ton pote il dit t'as dit une dinguerie, ben en vrai, j'ai pas forcément le réflexe à la base. Mais maintenant, je me dis, ah, peut-être, je vais la noter celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Si, puis ça fait partie de l'ombre. À un moment, je la sors dans la tête, je me dis, ah, ouais, en vrai, c'est vrai et tout, t'as vu? Donc, faut peut-être faire plus attention à ça, plus. Ouais. Tu vois, se professionnaliser à ce niveau-là. Tu vois? Et avoir, mais sinon, avoir des gens autour qui se rendent compte pour toi si tu te rends pas compte, c'est bien. Aussi. C'est les douanes, ça, frère. C'est important dans une équipe d'avoir des douanes. Non, pour de vrai, t'as vu, gros. Quand t'as des douanes autour de toi, bah ça. Bon, toi, on a dit t'as un grand douanier à côté de toi. J'ai deux douanes. J'en ai deux. J'ai Bellec et j'en ai un autre là. Je parlais de l'autre, moi. Ça, c'est la première douane. Déjà, avant d'arriver au studio, ça veut dire que c'est. T'as vu, après. Si tu passes cette douane-là déjà, c'est. Non, mais c'est vrai. Ah, elle a une douane que tu peux pas corrompre. Ouais. Vraiment. Donc, je le vois aller dans le public. Ouais. Non, mais c'est important. Tous les artistes devraient avoir des douanes. Je suis d'accord avec ça. Parce que souvent, c'est le contraire du douanier qui est en studio. Celui qui dit que. Je vais te dire la vérité, frère. Je viens tout seul au studio. Je sais c'est qui m'éteste. Je sais qui va me. Quand j'ai fait de la merde, je sais qui je dois convaincre. Voilà. C'est mieux. Si mes deux douanes sont passées, ça y est, c'est bon. Très bien. Ben, c'est le moment de, j'allais dire prouver, mais vous n'avez plus rien à prouver. C'est le moment du freestyle. Vous allez faire votre truc. Tout le monde va kiffer, on le sait déjà. Donc, ZKR, Nesbill, Bellec au platine, L.I.M., D.A.U.Z., tout le monde, moment du freestyle. Merci à vous d'être venus, les gars. Non, mais même toi, tu t'y connais. Des étoiles disponibles depuis le 25 mars. Allez écouter ça. C'est incroyable. Si je tombe pas la page, elle se referme sur moi. Y'a ce poids qui m'écrase. Bien sûr que ça laisse des traces. Empoisonné, esprit cloisonné. Cocaïné, Rio, y'a de l'écaille chez le poissonnier. Des vices qui dépassent la raison. Soir, je me fais sauter le caisson. Dangereux sont les liaisons. Pourquoi elles sont mes chansons? Quand j'arrête, j'ai des frissons. J'étais en bulle, j'ai des visions. Camisole cérébrale, un pénis au fond du trou. Peut-il dire qu'il est en dépression? M'attire comme un aimant, se vend devant de la drogue comme si c'était du heroin. Cellule de dégrisement, nouveau déguisement, fallait bien remplir le gif. Crime et châtiment, je noie mes tourments, je suis ivre, je me suis fait dans le givre. Moto détruit sans sentiment, c'est verbal bro qui t'allume en vélib. Hey. Je suis venu faire des dégâts comme un batteux qui s'est pas visé. Si le rap marche pas, j'arrête le succès, je l'attendrai pas 10 ans. Y'a des gens avec qui j'aurais jamais dû sympathiser. T'avanceras pas si t'écoutes les on magie les soi-disant. Excès d'ivresse, excès de vitesse, excès de sexe, malgré des calibrés, je suis né pour tout niquer. Excès de vitesse, excès d'ivresse, excès de sexe, malgré des calibrés, je suis né pour tout niquer. Je suis né pour tout niquer, hey. Prépare des jours d'ITT. Une année d'enquête pour rien trouver quand ils viennent me péter. Ouais, ni moi ni le produit de la vente. Je vois, je veux de la patate. Ben, mets-toi dans la file d'attente et puis nique ta tante. Wesh, Nebulon se barre d'ici quand. C'est toujours la même merde depuis 18 ans. Fouille cellule, rapport d'incident. Je me vends pas, non, j'ai bibi par accident. Un son d'enfoiré, un flot de bâtard. Je suis prêt à perdre la vie quand j'ai pas tort. T'inquiète, tu mets innocent, très bâtard. Mais d'abord, je dois tous les mettre d'accord. Concul, par terre, à vos marques, pré-feu, partez. J'ai traîné grâce à mon caractère les épreuves que mon dos pouvait pas porter. Quand je veux, je mets la concu par terre. À vos marques, pré-feu, partez. J'ai traîné grâce à mon caractère les épreuves que mon dos pouvait pas porter. Ouais. J'suis venu faire des dégâts comme un batteux qui s'est pas visé. Si le rap marche pas, j'arrête le succès, je l'attendrai pas 10 ans. Y'a des gens avec qui j'aurais jamais dû sympathiser. T'avanceras pas si t'écoutes les on m'a dit les soi-disant. Excès d'ivresse, excès de vitesse, excès de sexe, malgré tes calibrés, je suis né pour tout niquer. Excès de vitesse, excès d'ivresse, excès de sexe, malgré tes calibrés, je suis né pour tout niquer. Zonard des étoiles.
Kosovo dans le lyrics. Souvent avec un 04, France, ça va danser la polka, genre la Jimi Hendrix. Y'avait déjà la drill, fusillade sur les Canaries. Défonce au fentanyl, marginal glory, c'est nous les gorilles. Un champ finesse, ma catégorie, j'suis catégorique. L'index sur la détente, nique la BRI. Langage du prolique, la guerre c'est réel. Pas comme dans les stories, on n'est pas pareil, j'suis un Sahraoui avec la mentale d'Arifi. J'fume la weed, m'envole comme les aigles en Albanie. J'fais ce que j'sais faire sans remords de tout, ils nous ont banni. Misérable compagnie, moi et mes comparses dans les tranchées, personne panique. Chez nous la tragédie est pandémique. Poison se répand comme la rumeur sans éteindre la polémique. L'amitié des mathématiques, ça devient problématique. T'as qu'un pente, l'amour et la haine, les femmes c'est des serpents. Va te manger ton cœur si t'es trop romantique. Réo, celui qui me tue chaque fois que je crois tu étends. L'index sur la détente, c'est froid quand tu le poses sur la tempe. Non, j'ai pas la main qui tremble, c'est les Everglades dehors. Réo, te mange, t'as le cœur tendre. Ok. Le thème appelle, le thème ray. Je les vois s'entretuer sous le soleil. Plus j'ai mal, plus c'est ça. Le thème appelle, le thème ray. Le seum appelle le seum. Je les vois s'entretuer sous le soleil. Le thème appelle le thème. Le seum appelle le seum. Leur vis de putain, zoom zoom. Mal caché comme mes défauts. La fibre d'écriture urbaine. De quête d'origine marocaine. Force aux frères qui purgent des peines. Tu réfermes comme ma rancune. J'crois qu'on est bon à refaire les mêmes erreurs qu'on a déjà commises. Ça rappe même plus, ça atomise. Ça écoute plus, ça agonise. Promesse pas tenue, à ma promise. Les blèmes arrivent à l'improvise. Certifié par la rue, j'm'en bats les couilles que le reste est approuvé. Le sang de l'ennemi pour s'abreuver. Pour les clés, faut un port d'armes. Lequel de ces pseudo calculateurs va croire utiliser. D'où je viens de base rapper, c'est se ridiculiser. Pour nous, y'a que les techniques souterraines pour rentabiliser. Certains s'en sortent, mais bon, c'est rare ça. Esprit pollué, on est rare ça. Un deck dehors, c'est malsain. Tu sens des larmes sur dissident, j'faisais mes premiers larcins. Du NVR à Haute Nubis, la haine a le même parfum. Celui qui me tue, chaque fois que j'crois, tu étends. L'index sur la détente, c'est froid quand tu le poses sur la tempe. Non, j'ai pas la main qui tremble, c'est les Everglades dehors. Rayon de manche, t'as le cœur tendre. Le thème appelle, le thème ray. Je les vois s'entretuer sous le soleil. Le thème appelle, le thème ray. Je les vois s'entretuer sous le soleil. C'est comme un boomerang, mes paroles reviennent toujours sur toi. Empêché, je suis en surpoids. On ramènera rien avec nous dans la tombe. Tout le monde finit à poil. Blanchiment, PayPal, l'éternel coupable. Ça sort les armes de poing pour 20 points. C'est le mal qu'on retient. Dis-moi c'est combien. Punchline frigorifique, les kites, les colombiens. Y'a pas de vie dans le trafic, les colombies meurent pour rien. Ingrat, c'est comme ça qu'est l'humain. C'est pas grave tant que l'argent n'est pas dans le cœur mais dans la main. Sombre sur nos chemins, ces addictions nous rendent dégrin. Y'a de la haute dans ta mienne, ça se voit pas la folie quand ça vient. Les fils de timbre, bien à tarpin. Tous les tués, y'aura pas assez de bastos dans le tarpé. Mentalité t'attarder, les dents éclatées. L'enfer du décor, c'est dément. Combien de cadavres sous le glacier. Morning glory, Rio. La D, la D, la D. Le chemin des braves. Baba. Ah. J'ai rien à perdre, ah. Et j'dirai tout du fond du cœur. Les amis s'effacent, les voyous deviennent producteurs. Un temps d'avance sur les autres, les erreurs, les fautes en repeat. J'aurais pu m'écarter des gens, j'apprendrai toujours. Le parcours rempli de nostalgie, gilet pare-balles, ma voix de la magie. Le placard et toutes ces scènes tragiques. Sais-tu que j'agis pour l'argent, trop de péchés accumulés. J'baisse l'argent, j'suis quillé. Mon bruit préféré c'est le silence. J'brise la glace, j'suis comme un silex. J'partage ma science. Peu d'humains dans le cœur, on s'y fait. Ainsi soit-il. La gentillesse c'est pour mieux te la mettre en finesse. La solitude m'évitera de gâcher ma vie. Plata, j'veux le million. Payenne, j'suis lion. Cayenne sur le capot. Cayenne sur le bouquin. Incapable, les yeux mangent, j'veux plus être à pousser trop chiant. Le cœur en lambeaux. Les abîmes, les démons de la rue s'entretuent. L'argent changera les gens aimant. Les questions, les réponses en menace. Faut prendre de l'argent et l'investir, placer nos familles dans les commerces. Voilà pour vous plaire, faut que je rende ma famille fière, on est plein. Pour ça je suis trop dehors, bah ouais faut du pain. Je veux être au top, faut pas choir les gammes. Des fois je pète un cap, des fois j'appelle Coco, j'ai le cerveau qui se calme. L'horizon dégagé, j'y vois mieux trahir, son peu de parer la route. Des fois ça fait même pas exprès. Radical ça est en express. La tête dans l'espace, les poches pleines d'espèces. Encore une fois cette fois-ci, beaucoup ont changé de facette. Pourtant y'a que ma carte fait ses dents. Je suis solo, j'ai quelques refrains. Je suis pas le meilleur.
cœur. Ne rien dire, c'est comme faire semblant. Les sorcières, elles pratiquent ce sort. Ils mentiront pour mieux te saucer. L'ingratitude prend l'ascenseur. Tire sans mettre les gants. Les chances, y'en a pas 10 dans le bolide sous la pluie. Des potes, y'en a plus 10 au studio. Solo comme toujours, ça fatigue. Vive ma vie, la TCTF1. On leur dit même plus nos tactiques. La guerre, c'est pas le kaki. Chez nous, c'est trop voyou dans le bateau. Calibre et Kuba, tout le monde est cowboy. Pédo et caillou, les petites chaînes, la cahier. Condamné ce mois, dehors dans les deux les chelous. J'aime l'avoir apprêté du lycée auprès toi. J'suis toujours le même après tout. J'suis sur leurs critiques, elles me font mal. Dès que sa mère, j'suis plus fort que ça. Depuis jeune, je sais encaisser. J'ai le pouvoir de croire que j'peux réussir. Et chaque fois que je tombe, je me relève. Mon espoir dans le noir comme un mineur. J'perds au début, j'gagne à la fin. Du fond du cœur, la terre, la terre. Sevran 3T, à tout jamais. Baba. Et merci bien. Force à ZK. Ah, on va leur dire. Écoute. Vas-y, 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 vas-y. Allez. Vas-y, on y va, frérot. Bon, Eliev, c'est simple. Je vais te balancer des mots, tu pars en impro. Vas-y, je t'écoute. Connaîtrie, ok. C'est clean. Vengeance. Tu parles de vengeance, c'est pour ma délinquance. Toutefois j'arrive en force et toute façon si vive la France. On n'a pas de chance dans le quartier, dans le froc on a des mortiers. Chaque jour chez nous, alhamdoulilah, on rentre entier. Corruption. Tu parles de corruption, c'est pour ma génération. C'est une détonation quand je mets la pression sur une pression sonore. C'est L.I.M, j'arrive en force et dans la place trop hardcore. Victoire. Victoire ou victoire de la musique. Ici c'est l'histoire, ici on vend narcotique. De toute façon c'est dramatique, partout dans le secteur. Fuck les terre-terre, c'est L.I.M sur l'extincteur. Cannabis. Tu parles de cannabis, moi depuis petit je la police. Et je sur leur justice, normalement. Plus permanent, c'est politique qui traîne en bas des bâtiments. Parcours. Parcours, en bas des tours, y'a trop de vautours. Derrière moi y'a les Schmitt qui courent. Autour de nous c'est le bordel. Je l'ai déjà dit, mon putain de rêve c'est de voir ce fils de putain de keuf en porte-jartel. Illicite. Illicite comme tous illicites. Vite, vite, je représente ma street. Petite bite, écoute bien si tu balances, tu connais la suite. Et si tu réussis dans le rap, frère, je te félicite. Misère. C'est la misère au quartier. Aujourd'hui j'ai pas de ulcère, j'ai trop bu mais je suis totalement fonce car ça c'est comme d'hab. Dans la rue c'est gros bâtard, m'insulte de salarabe. Pronostic. Tu parles de pronostic. Moi t'inquiète pas, je suis à pompe milliers de sticks. Normal c'est fantastique, ou plutôt dramatique. À la cité les petits sortent tous l'automatique. Accusation. Accusation, ça c'est tout le temps. De toute façon c'est pour ma génération, pour les délinquants. Je mets la pression depuis petit. C'est pour l'erreur, il est leur dit de toutes les tissus. Investissement. Tu parles de investissement. De toute façon nique leur mère la pute et je meurs si je mens. Tranquillement en bas des bâtiments, je reste pépère. C'est pour les barges et les dingues, on balance la bombe nucléaire. Frontières. Tu parles de frontières mais y'en a pas. En réalité y'a que la douane qui veulent nos haglas. Ils veulent péter le taga, mais la peur elle passe. Représente les barges et les dingues, ils se touchent pas classe. Vision. C'est la vision que j'ai. Je représente, j'ai pas d'Eurovision, mais j'arrive avec elle que j'ai. Pour les balourder illégalement, tranquillement, j'arrive en force dans la place et c'est bêtement. Nostalgique. Ouais, je suis nostalgique. De toute façon, j'arrive en force. Ouais, la rue c'est magique. J'arrive en force et tous les jours, frérot, c'est tragique. J'arrive en force et dans la place, frère, c'est systématique. On fait de l'argent illégalement, tranquillement, dans nos bâtiments. Je meurs si je mens. On t'encule, monsieur l'agent. C'est pépère, car c'est comme ça sur terre-terre. Nique leur mère la pute, moi depuis petit dans ma tête, c'est la guerre. Télé-réalité. Ouais, c'est la télé-réalité. Tu connais la mentalité. Au quartier, y'a trop de mortalité, trop d'adversité. Mais de toute façon, j'ai hérité de leur criminalité. C'est L.I.M. Mais ils vont imputer tout ce qu'ils veulent. J'ai pas oublié. Menteur. Tu parles de menteur. Écoute, tu parles de menteur. Mais dans le rap, y'en a trop. Aujourd'hui, je suis pas l'inspecteur. Je suis ce putain narcotique. Paix à mes frères qui dit en gros, y'a pas de panique. C'est L.I.M. et je prends le microphone et systématique. C'est magique. Je t'explique ce qui se passe chez nous. Les petits, aujourd'hui, sont devenus des grands voyous. Alors fais un deck avec DJ Belek au platine. De toute façon, aujourd'hui, dans la rue, ça tartine. La Hayette. C'est la Hayek ou la Haya. Représente tes bases, c'est la fête et la horba. L.I.M arrive en force, Ardex si tu prends trop de baïda. Car toute façon au quartier, même les petites vendent la kahla. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça chez nous. Toute façon l'objectif, c'est de rester debout. Je te l'avoue, j'ai fait les 400 coups avec tout le monde. Mon putain de rêve, c'était de faire tapiner et Foxy Brown. Mais c'est pas possible, toute façon j'arrive, je suis pas la cible. L.I.M arrive en force, il paraît que je suis invisible. Invincible, crédible, par tout ce que je dis. Je représente tes bars, j'ai les dingues et les taudis maudits. Bledia. Bledia ou la Bendia. Moi je suis à Marseille depuis le pop, je
Jamia avec mon frère Fouette et mon frère Mehdi. Coffee Shop CBD, c'est pour les taux d'Imoudi. Faites du bruit pour Aliem s'il vous plaît. Les hommes deviennent des touilles. Et à mon âge, je sais même pas comment, je suis pas mort sous les douilles. Wesh, tu produis sous les feuilles, tu produis sous les deuils. Les voleurs se moquent du liquide de mon œil. Et ceux qui dansaient le Nia, ils se sont pris la carotte. Matérialiste qui mérite une Clio, commercial comme carrosse. Pour les roses, ça dit bro, pour la beuh, ça dit hermano. Tu peux aller te gratter quand t'es au star, y'a pas de dermato. J'embellirai ma vie avec des pièces remontées. Mais pourtant la poisse m'a tatoué. Ils veulent te noyer, compte pas sur eux pour jeter la bouée. À cause du THC, mes chants neurones sont labourés. La prison sur une jambe, c'est pas la modélo. Au dauphin noir, mon cœur peut plus s'ouvrir. Ces peines ont cassé le fermoir. Et je vois Rainbow dans le miroir, le nain d'un homme son terroir. J'toquais la baïda au fond du frigo dans des tupperwares. Tu perds jusqu'à que tu gagnes jusqu'à que tu perdes. Et si tu merdes, tu verras que ceux qui aboient sont pas ceux qui mordent. Je vois que des œufs qui mossent, le public chez qui m'aime. Car ils savent que c'est pas là, même quand c'est Z qui pose. Elle veut un sub qui pèse. Moi j'ai qu'un sub qui te baisse. Ça y est, j'ai rendu fier ma cahier. Un peu comme qui te baisse. Mes clés ont aucun sens, comme le parquet son instance. C'est nous que t'appelles les cassos. Du matos et des bastos. Rapper c'est fastoche. J'prends mon tel et ça vient tout seul. J'regarde plus qu'à 12h. La pointe dans la douceur. Les autres groupes sont trop sombres pour jeune Veta. Autant que les ambitions sont trop sombres pour jeune Veta. Sur un scooter péta, on rabattait les alentours. Vu tout ce que j'apprenais dehors, c'est normal que j'allais pas en cours. Mais bon, j'suis pas un exemple. Grâce à mon éducation, j'suis resté un mec simple. La grosse tête, on est exemple. Parce que sinon, mon père va mettre une sac là dans le cou. Il me forçait d'en faire 5 fois plus parce que nous, on vient d'en dessous. Ma liberté en danse. Si tu te sens opprimé, regarde l'histoire des Tutsis. J'suis MSIR, j'suis Tunsi. Du coup, leur CB est précis. Les yeux de mes gosses sont précieux. En vérité, je suis à la bonne place seulement quand je suis près d'eux. Le job s'habille en Prada, donc j'ai des articles ajoutés. Je t'envoie un petit, te ramener ça. Que s'il y a valeur ajoutée, y'a toute la ville à shooter. Le prix de la revente a chuté, un train de vie agité. Donc bien sûr, le cerveau acheté. Je donne souvent pour voir la poisse et sa distance. Et quand je regarde ces tirailleurs, je comprends pourquoi la 12 France. Wesh. Et quand je vois comme ces tirailleurs, je comprends pourquoi la 12 France. Pendant qu'elle fait la chienne, j'suis pas fait pour la niche, mec. J'suis un staff marocain, ça c'est pour les caniches. Hein? T'as vu, c'est comme ce mec qui se lève tôt toute la semaine pour aller bosser comme un chien pendant qu'elle fait la chienne. J'suis pas fait pour la niche. J'suis un staff marocain, ça c'est pour les caniches. Un matin bien froid, la routine dans les quartiers nord. Genre une boulette de la bonbonne dans un hall de partenaire. Ça finit par tenir, trahir ça a ses conséquences. J'l'ai vite compris quand Mani s'est fait fumer par Tony. C'est bien les partenaires, sauf quand c'est pour te nuire. C'est bien aussi les gros salaires, sauf quand c'est pour te fuir. La poche a ses raisons, que même la raison ignore. Surtout quand elle ressent un sentiment de solitude. La débrouille comme c'est l'étude, ça nous sert plus que Pythagore. J'négocie pas quand t'as raison, frérot fais pareil si t'adores. C'est pas des influenceurs, c'est des incitateurs qui pervertissent les petites sœurs. J'veux même pas voir le résultat. Néglige quand t'es débutant, c'est plus humain que dégoûtant. Ouais, les anciens ont tort, j'niquais ma vie en les écoutant. En plus y'en a pas un qui t'enverra, ne serait-ce qu'un copec. C'est bien mieux de sortir avec des grosses couilles qu'avec des gros becs. Et on ira décompresser sous les tropiques quand y'aura plus de contrôle judiciaire ou de bracelet électronique. DSD ou S-tronic, Mohim, moteur synchronique. Ceux qui salissent mon acronyme, et j'porte si bien mon patronyme. Comme Ophélie Winter ou le commissaire Schmitt. Tout va bien tant qu'autour de moi y'a pas une seule chemette. Tant de barreaux sur une seule fenêtre, s'il est avec un rasoir. Et vu que maintenant j'mange sale, c'est compliqué sans pas voir. J'veux savoir pourquoi c'est si difficile d'aimer. Ça sera plus facile demain d'oublier avec le temps les souvenirs sans cesse. Chacun pour soi jusqu'à ce que la mort rassemble. Jusqu'à ce que ton corps l'assemble. Même ton meilleur allié peut t'enterrer quand t'es. J'suis pas trop bavard. On me dit souvent que j'agis comme un bâtard. Donc ma belle t'es en retard. Quand tu vas souvent t'y retournes. J'paye, j'veux pas tes ristournes. Faudra s'y faire, deuxième album attendu comme un western. Et y'a le chétan qui m'ouest ouest. Envie de me le faire au Smith West. Parano vu ce qu'il y a dans mon spliff, wesh. Bien, tu te rappelles quand j'étais en chien. Quand j'avais pas l'expérience, quand tout ce que j'faisais c'était un chier, wesh.
ouais. Et j'ai trop d'où je viens pour lâcher un if incommensurable. J'ai trop d'où je viens pour lécher. Et je fais un check à l'échec. Le check me porte, il me dit ZK. J'aime trop comme tu les choques. Pourquoi le goût de la victoire part vite comme celui d'un malabar? Fils de pute, va là-bas. Toi tu baves à la barre. Ouais, ouais. On est tous censés être des hommes. À la base, je m'en fous de mon apparence. Il manquera jamais rien. À la case, grand fou rire, à la caisse. Le cœur noirci par les gens. Faut qu'ils deviennent purs comme la cesse. Avant qu'elle passe sous la presse, tu te rends pas compte de la haine que tu laisses à une personne que tu blesses. Ou bien sûr qu'on a tous des faiblesses. J'attends une plaie pour guérir une plaie. Le produit sent trop fort, la nourrice fait que mettre du fébraise. La rue c'est marcher sur un feu de brèche. J'peux plus me les voir, du coup j'dois fermer les yeux pour que ça me plaise. Le bruit du gyro sans plaie. Au fond de la tête, j'ai même ouvert les portes du succès sans clé. Le gentil n'a qu'un œil, la dégaine d'un cyclope. Ce qu'on garde pas pour l'album, jette-le. On va rien recycler, je m'arrêterai pas aussi près. La dalle, le ventre est si creux. Je crois que je suis en hyperglycémie, tellement mon dos est sucré. Je crois que je suis en hyperglycémie, tellement mon dos est sucré. Je veux savoir pourquoi c'est si difficile d'aimer. Ça sera plus facile demain. D'oublier avec le temps les souvenirs sans cesse. Chacun pour soi. Jusqu'à ce que la mort assemble. Jusqu'à ce que ton corps l'assemble. Même ton meilleur allié peut t'enterrer quand t'es. Merci à tous d'être venus. Voilà. IMSD. Incroyable. Driver. Attends. C'est pas fini, je crois. Il y a une surprise là. Driver, tu dois faire un freestyle. Voilà. Viens, Driver. Viens. Donnez-moi le ice cream là. 1, 2. C'est clean. Ils veulent cette villa, si cette villa. Mes tremblements de terre, je marche comme Godzilla. Je brise tous leurs rêves quand j'arrive dans le coin. Et je me sens frais comme si je venais de shooter aux 3 points. Victoire, bon ratio, sirote dans le patio. J'ai une armée organisée qui crie à l'assaut. Ton sens glace, t'es à zéro sur le thermo. J'bloque ta circulation comme si je m'appelais Fianso. Ton argent devient mon argent et comme ça on est quitte. J'viens chez toi et tu grailles, j'suis comme Uber Eats. Chocolaté, M&M, fend la poire, Belle Hélène. C'est mon domaine, c'est Driver avec L.I.M. Quoi? Et si tu ne comprends pas, on vient raser la ville, tout le monde en parle. Paris, gare de Lyon jusqu'à Marseille, Saint-Charles. On ne pourra plus redescendre, pourquoi ils s'acharnent? C'est clean. Redescends ton nuage, le ciel est encombré. J'ai des pensées sombres, défoncées ou sobres. Je suis né pour tout niquer un matin d'octobre. Ma mémoire se rétrécit, je perds des méga octets. Agressif mais précis, ces méga doivent opter. Ils ont vendu leur rêve, les grands les doivent opter. Qui considèrent la rue.